présente, Jonathan Mahoto, 29 ans, membre de l'équipe Eben Double Dutch, plusieurs fois championne de France et championne du monde. Donc voilà, bah aujourd'hui, du moins ce week-end, gros festival des cultures urbaines. Donc content pour nous parce qu'on a pu montrer notre passion, notre sport qui est le Double Dutch. Donc premier jour stage avec 200 enfants des collèges, ça s'est super bien passé, ils ont bien accroché, les profs aussi. Donc on essaiera de mettre en place des formations de profs aussi, qu'il y en ait dans les collèges, et aussi avec la ville pour qu'il y en ait en freestyle. Super initiative, c'était la première fois qu'on le fait, ce festival. Donc hier le show, on a fait le show mais on en a eu plein les yeux aussi. Feux d'artifice, effets autour de nous, c'était nickel. Et aujourd'hui là le show, dommage, pas trop de monde dans le public. Mais ce qu'il y avait là, ils ont kiffé, ils nous ont applaudi, ils nous ont donné la force. Nous, en Double Dutch, notre show il va être de qualité en fonction du public. Si le public il nous booste, c'est un peu comme les freestylers, je pense. Dès qu'ils sont boostés, bah, ils ont envie de donner. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais ils nous ont tellement boostés, transportés, qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, avec le sourire, avec la joie d'en donner plus à chaque fois. Et si parfois je termine par mon final de faire plusieurs saltos, c'est que le public il mérite. Sinon d'habitude je le fais pas tout le temps. D'accord ? C'est que là on a eu un bon public, on a eu des gens réceptifs et réactifs. Et voilà, tout simplement. Pour nous, Opération Bingo, on reviendra l'année prochaine avec plus de force et on essaiera de mettre en place une compétition de Double Dutch lors de ce festival.